Check the mic and make sure it sound right, boys. Donc, bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo sortie poubelle. Ça faisait longtemps. Donc là, je viens de finir une enquête para. Et comme je suis en vacances, j'en avais pas assez. Un petit peu en mode, comme d'habitude, comment on dit, hyperactif. Je faisais chier de faire les poubelles tout seul, donc du coup, j'ai fait mon petit malheureux rentrer à la maison. C'est vrai en plus. Et puis, ma cantine a dit je vais venir avec toi. Je mets mon pantalon et je viens avec toi. Donc là, on va aller mettre un peu d'essence déjà. Et puis, on va se faire. Parce qu'en plus, on est après Noël. Pour vous expliquer, on est le 26, la nuit du 26 au 27. Et en général, il y a beaucoup de gens comme ça qui se débarrassent hein, parce qu'ils ont eu des trucs neufs. Et là, je vais vous intégrer une photo d'un truc que j'ai trouvé en rentrant d'enquête. Donc, c'est une corbeille à linge qui est juste décousue à un endroit, sinon elle est comme neuve. Ça, dans un magasin de déco, je pense ça vaut au moins 25 balles, facile. Donc, je vais l'intégrer là. Et puis, donc le spot qu'on faisait l'année dernière pour la bouffe, ben maintenant c'est mort. Parce que les poubelles ne sont plus sur la voie publique. Et il y avait une autre poubelle à côté où on allait faire souvent des tours, on trouvait des trucs de déco. Et ils ont mis maintenant une benne qui se ferme avec un moteur électrique et des vérins. Ouais, vous rêvez pas. Et puis l'autre d'à côté, c'est carrément chaîne et cadenas, quoi. Donc on va éviter ce secteur. En plus, je crois que c'est occupé. C'est occupé. Pas rentrer dans les détails. Donc. Par des mammouths. Voilà. On va essayer de trouver des petits spots sympas. J'espère qu'on va faire des belles trouvailles. On va se faire notre petit périmètre qu'on a l'habitude de se faire. Mais je connais peut-être un autre endroit où on peut récupérer de la bouffe. Donc là, avant d'aller à l'essence, je vais m'arrêter pour voir ce qu'il est possible de faire. Voilà. Bon, bah, tout de suite. Et salut. Du yaourt. Du taboulé. Citron, orange, clémentine, avocat, pomme, avocat, un morceau de concombre. Ouais. Et bête, t'as pas été contente. Mais comme je te disais, là. Chaud. Un peu ouvert. Bon. Il y a une sale tête. Mais pour les bêtes, faut pas déconner. Et puis vu le prix, on se gave. 30% du taboulé, même pas ouvert pour les bêtes. Alors là, c'est de l'endif, donc du chicot, hein. Pas ouvert. 30%, peut-être ils aiment bien le 30%. Il y en a d'autres qui aiment bien ça pour les bêtes. Alors là, c'est le top. Un corps. 30%. Personne qui en veut. Donne marque. Pas ouvert. Il y en a deux comme ça. Je sais même pas. Enfin, c'est quoi la date? La date du. Ah, je sais pas, j'en veux. Le 22 décembre. Oh là là. Oh là là. Quand bah tu sais que ça se garde deux mois de plus. Bah ouais, enfin, bon, les gens, hein. Bah, de toute façon, c'est qu'ils n'ont pas le droit de vendre, surtout. Ça gèle. Bah oui, ils n'ont pas le droit de vendre. Puis là, j'ai plein de légumes et tout. Enfin, bon, bref. Bah, à mon avis, je te dis, quelqu'un est passé avant parce que je suis sûr qu'il y avait de la viande. Je suis sûr qu'il y avait des trucs comme ça. Là, il reste que des légumes, c'est bizarre. Légumes et fruits. Oui, puis ça. Bon, même là, ce que je disais, ça peut aller pour les bêtes. Ouais. Y a... Pardon. Il y a des zoos, il y a des parcs, il y a des refuges, bref, tu donnes ça aux animaux, c'est pas perdu. Tu peux donner ça à des petites poules, à des moutons. Surtout que là c'est un comme, je sais pas si tu l'auras dit, mais putain, ça gèle déjà sur les bagnoles. Hein. C'est un petit genre carrefour quoi, market quoi, un tout petit truc. Imagine les grandes surfaces là, ce qu'ils doivent balancer. Attends, là. Parce que là il y a des panneaux. Faut qu'on y aille, hein. Je te dis l'autre magasin que j'avais trouvé, mais ça a 30 bornes, 40 bornes. Et si c'est le même principe qu'on allait avant, ça doit être un truc de malade ce qu'ils balancent quoi. Bah ouais, non, mais les gens sont. Enfin,
moi je sais pas, mais t'as un truc comme ça, tu t'arranges avec je sais pas, là, une ferme ou tu sais, un endroit où il y a des animaux, tu sais, des petits refuges, des petits trucs quoi. Rien que là, des trucs avec du thon. Ouais. Tu vas me dire quand même que les chats, ils peuvent pas prendre c'est ça. C'est pour ça que j'ai récupéré. Moi, s'il y a des trucs qui sont trop limites pour nous, ça va aller aux bêtes. Bah oui. Bah garde branché parce que là, on arrive près d'un spot. Ouais. Ouais, mais là, par contre, bah tiens, je vais vous filmer les encore ça. Hein. Voilà. Hop. J'ai des trucs. Et puis, enfin bref, il mange nous. Bien propre. Non, il y a rien. Ouais, hop. Il y a rien du tout. Ratata. Bon. Attends, on va éviter de l'abîmer parce que ça c'est pas une légume. Puis même jeter des fruits, des légumes, faut pas déconner avec les gens qui crèvent de faim, faut pas déconner. Hein. Les avocats, tu vas pas me dire quand même que les bêtes ils peuvent pas manger des avocats. Bah après, je te dis que j'en ai laissé au moins 4-5 qui étaient vraiment noirs. Mais si on trouve un sac, je vais retourner, je vais essayer de me garer plus près surtout. Ça t'as vu là, j'étais obligé de faire des allers-retours, mettre ça dans mon pull. Bah c'est pas terrible quoi, niveau organisation. Yep. Ah, ma main elle est belle. Enfin elle est belle, on s'en fout en fait. Alors, du coup. Bah, le plan où on allait avant c'est mort. Donc on va retourner vers l'intérieur, comme j'ai l'habitude de faire. Tu sais où ils ont mis la nouvelle benne là, à côté des autres là. Mm-hmm. On va aller là-bas. Mm. Et puis bah, après on va changer de bled. Ok. Mais ouais, le problème des spots de bouffe, c'est que c'est de plus en plus connu, quoi. Et nous, si on veut, enfin, j'en connais d'autres, possiblement d'autres, hein. Mais il y a, voilà, il y a 30 bornes pour y aller, quoi. Donc là, t'as intérêt à ramener des trucs, hein, pour remplir la bagnole, hein. Pour 30 balles, hein. Pour 32 km et 30 km revenu, retour. Ce que je disais, on va essayer de trouver des spots dans le coin, d'urbex, ou trucs comme ça. Et puis, on en profitera, quoi. À la fin, quoi. On se fait une enquête et puis on en profite à la fin. Bon, bah, on vous reprend après. Ouais. Et je vais filmer un petit peu le ciel parce qu'avec l'ovni qu'on vient de voir. Non, c'est vrai, c'est pas l'ovni. J'ai une boule. Une étoile filante. Elle était toute belle. Elle était toute verte. Elle est descendue vers le ciel. Ah non, elle n'est pas descendue vers le ciel. Elle est descendue vers l'enfer. Ah. Non. C'est de la merde de ce côté. Faut l'oublier. Je suis fatiguée. Il est tard. Plus d'une heure du matin. Mais qu'est-ce que je fous dehors à une heure plus de matin? Quand t'es gagné. Je dis qu'est-ce que je branle à une heure du matin dehors? Je filme le noir. Oh le noir, le sombre, je viens de dire qu'en fait on avait vu une boule lumineuse, que c'était un ovni, mais en fait c'était pas un ovni, mais en fait c'était. Il est descendu vers le ciel, que j'ai dit. Je suis vraiment fatigué. J'ai Bref. Hop. J'ai récupéré un sac et puis une caisse. Je me suis dit ça peut toujours servir pour notre tournée. Oui. Et j'ai trouvé ça. C'est quoi? Ça, c'est un support tablette. Ah merde. Regarde. Et je crois qu'il est peut-être un peu abîmé ici, mais tu chies ta tablette dedans. Ouais. Hop. Là normalement. Pive l'eau quoi. Pour combien ça coûte ça, 5 balles, 10 balles peut-être. C'est normal. Oh non, mais sans déconner. Mais va dire. Wesh ma partout. Gueule, ouais. Wesh ma gueule. Wesh gros. Allez. Tu vois, je te l'avais dit. Bon, on a pas fait des trucs énormes. Non. Mais là, de toute façon, les 100, je l'ai remis. Aïe. Parce que clairement, j'en avais besoin. Attaque. J'en ai besoin pour ma semaine. Bon, je suis en vacances, mais je vais traîner. Comment ça tu vas traîner? Tu vas aller où? Je vais traîner, je vais faire des vidéos. Hein ouais. Et Attends. Bah là déjà tu vois, un peu de bouffe, une corbeille avant, ça. Bon bah c'est cool quoi. Gamin, moi mon fils, il a une tablette, il a pas de coque. Bah c'est bien. Je sais pas si elle va rentrer dedans, mais. Bah si elle rentre dedans, imagine. Bah je serais content. Je serais content. Et je suis sûr qu'il va être encore plus heureux. Je dirais tiens, c'est un cadeau de Noël en plus. Des poubelles. Le gros rat quoi. Je dirais, c'est tout neuf des poubelles. Il va être mort de rire. Bah oui, obligé. Et puis lui il va la prendre, il s'en fout. Mm. On les a éduqués voilà, à pas avoir honte, à pas avoir de remords en fait. Parce que bah, les plus cons, c'est ceux qui jettent quoi.
Sinon là c'était que des emballages de bah, du réveillon de... Limite je peux te dire ce qu'ils ont bouffé quoi. Bah, voilà, c'est vrai que sans gants faut faire gaffe par contre, c'est le seul truc. Mais là on va pas retourner au plan où j'ai trouvé de la bouffe pour ramasser le si peu qui reste parce que c'est vraiment se faire chier quoi. Mais il en faudrait d'autres des plans bouffe quoi, c'est surtout ça en fait qui est. Mais on a déjà trouvé de la bouffe dans ce genre d'endroit, hein, au pied des conteneurs. Hein. Ouais. Des patates, des trucs comme ça. Bon c'est sûr c'était pas de la viande, c'était souvent des patates, des légumes quoi. Même si on en a, mais je trouve ça débile quoi. Jeter des kilos de patates parce qu'il y a des germes, sans déconner quoi. Ouais mais bon. Je te dis comme ça de toute façon. Bon là on va aller à l'autre, il y en a un autre là-bas, un gros normalement. Après on peut se faire. Bah après on va voir. On prend pas de fringues hein, par contre. Non. Ah c'est. Peut-être des grolles, si on trouve des grolles à la limite. Ouais. Les grolles c'est différent. Des chaussettes. Et des chaussettes. Est-ce que des chaussettes, tu les mets au lavage, c'est bon, hein, ça s'en remet. Des slips. Ça peut être utile les slips. Bah moi perso je mettrais pas les strings d'une femme quoi. Moi non plus, je mettrais pas les strings d'une femme non. T'es sûr? Ah non. Ouais vas-y. Bah j'ai déjà mis des calbars récupérés aux poubelles. Hein. Bah ouais. Je les ai encore. Voilà. Bien les a raccommodés deux fois. Et je les continue de les mettre. Ah en calbar, je suis tranquille jusqu'à la fin de ma vie quoi. Les chaussettes c'est compliqué hein. Entre ce que me baissent les gamins et puis ce que je perds. Ouais. Ouais puis des fois on dit que la machine elle a avalé des trucs mais c'est surtout chier en dessous d'un lit. Ils sont pénibles les enfants pour ça. Sans compter quand elles sont craquées, on continue de les mettre et puis on fait semblant de rien. Ah ouais, non, mais c'est comme les trucs qu'on voit sur Facebook où tu. L'autre il prend son crayon puis il se colorie le pied quoi. Parce qu'il y a un trou, il faut complètement mettre ça. Ah d'accord. Ouais. Au lieu de prendre un fil, une aiguille et de recoudre, bah non. Il se colorie la gueule. Bah le pied quoi. Bah d'accord. Bah oui. Au lieu de mettre des bandanas, tu devrais te mettre une couleur. Oui. Je vais te maquiller, tiens. Bah j'ai la barbe. Ah oui, c'est vrai. Moi je devrais me faire une barbe. Je vais me faire la barbe de Noël, tu vois. Je vais me couper les tifs et je vais me raser la tronche et puis me foutre devant. Je suis pas trop d'accord. Ça coup. Ça bah coup, coup ça. Coup. Coco, eh. Bah quoi. Mais. Boktopo, hein. Non. Non mais. Je pense qu'il va là-bas, ça va être blindé. C'est toujours blindé qu'on y va. C'est vrai. C'est rare qu'on est arrivé qu'il n'y avait rien. C'est vrai. On va faire le petit à droite avant, là. Ah. Éviter de revenir là. Oh, bah de juice, je suis crevé, moi, pardon. Je roule doucement parce que souvent j'arrive de l'autre côté et. Ouais, puis c'est jamais, il y a peut-être une biche qui va passer par là. Imagine. Une biche. Puis là, elle est tombée. Bah, elle est déjà découpée en morceaux et tout. Si je la tape, on la mange. Hein. J'ai jamais dépecé une biche, mais ça doit pas être plus. C'est plus gros qu'un lapin, c'est tout. Je sais pas. Bah, j'essaye de pas trop filmer les maisons, là, en fait. Genre, je te filme un peu de traviole, là, je suis désolé. C'est pas grave. Un petit spot ici. Ici, on n'a jamais trop rien trouvé. Mais bon, on va jeter un coup d'œil quand même. Ouais, je coupe. Bah attends, il y a un spot. Ah. Aïe. Ouh, il y a du carton. Ouh, il y a du carton là. Je vais aller voir. Bien ouais. Les cartons. Bien fouillé. Bah fouille. Ouais. Yep. Surtout qu'en plus, les enfants, ils adorent faire des trucs avec les cartons. C'est un truc de fou. Même les chats, des fois. Ils font des petites cabanes, des petits trucs. Hop ! On va arriver.
Et je te filme encore, hein. Il dit, je filme encore. Ouais, j'ai récupéré un carton pour le jardin. Dis, je te filme. Oui, oh, oui, mais j'ai entendu. Oh. Hop. Il y a une voiture derrière. Ouais. J'ai récupéré un carton pour le foutre dans le jardin. Ouais, mais je disais, des fois, récupérer les cartons comme ça qui sont jetés, tu sais, pour les cabanes, pour les chats, la benne qu'ils ont mis, justement, le cadenas et la chaîne, c'est là-bas qu'on a l'air, pour tous les cartons. Ouais. Fait chier, quoi. Moi, je vois pas ce que ça gêne de le mettre. Enfin, après, ça... C'est, les cartons, bah voilà, c'est brûlé, quoi. Bah, les gens, elle est carrément dedans, tu te rappelles. Il y a même un moment, je sais pas si t'étais avec moi. Il y avait une dame qui était dans la benne, elle me voit arriver, j'étais en voiture. Si. Puis elle se mettait comme ça, en me regardant. Si. Puis moi, j'ai tracé ma route pour aller à l'autre poubelle. Ouais. Dans ma tête, je me dis, je m'en bats les couilles, fais ta vie, je fais la mienne. J'étais là. Récupère tes cartons, moi, je fais là-bas. Ouais, je sais pas que les cartons qu'elle ramassait. Non, parce que j'ai trouvé des beaux trucs là-bas. Ouais. Tu vois, il s'est garé là, il est chelou, lui. Il s'est garé là, et maintenant, il vient se garer ici. Ouais. J'aime pas trop beaucoup ça. T'aimes pas trop beaucoup ça, mais bon, je suis en train de connaître quoi. Alors. Bon, on va à l'autre gros là. Ouais. Ouais, gros. Pardon. Désolé. À chaque fois que tu vas dire gros, je vais dire ça maintenant. D'accord ? Ouais, je m'agueule. Hop. Attends, je filme ton épaule. T'as magnifique épaule. Elle est superbe, elle est magnifique. C'est juste parce qu'il y a plein de panneaux. Alors normalement là-bas en règle générale c'est Bagdad. C'est Bagdad. Parce que il est un peu retiré et même beaucoup retiré quoi. Il est sur un axe. Alors résultat dans 2. Oh. Y'a rien. Pas sûr. Putain, par contre il pourrait refaire les trous. Sûr qu'il y a rien. Oh la vache. Oh, bah ils se sont fait plaisir. Ah putain, ils bougent bien. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Eh ben, ah bah putain, ils ont bien bu en tout cas. Ah bah hey, c'est Noël. Hein. Ils ont bien picolé les enfoirés. Vache. Attends. Je sais pas si on va les voir. Ah bah ils vont les filmer de toute façon. Oh. Je peux pas. Il va dans 3, 2, 1. Il est où ? Il est où ? Eh ben. La poubelle, elle est ouverte ? Oh, on voit pas. La poubelle, elle est où ? Oh. Grande ouverte. Il y a plein de sacs à côté. Attends, il est où ? Là, la poubelle, elle est là. On voit pas bien, mais là, la poubelle, elle est là. Et là, tout là, il y a plein de sacs poubelles. Et les gens, bah, ils ont la flemme. Pourtant, c'est gros ouvert. Je peux pas trop filmer par là, parce qu'il y a des indications quand même. Et il y en a qui se font sacrément plaisir. Enfin, bon, bref. Ben voilà, je te l'avais dit. C'est que de la merde. Ça va, je te l'avais dit. Ouais. Je te l'avais dit, ouais, c'est ça. C'est que du caca. Enrobé de chocolat. Bon. Faut que tu nous emmènes maintenant. Comment ta maison va se coucher? Bah, presque, ouais. T'es fatigué? Non. Bah, je branle rien. Bah, si, je suis fatigué parce qu'il est tard, je sais pas quelle heure qu'il est. Bah là on va faire Je crois franchement que là tu nous as fait un bon petit tour déjà. On va faire la commune où on travaille, enfin où je travaille. Bah où on travaille. Où on travaille, oui. Ouais. Là après on va voir si on pousse encore ou pas. Après on peut pousser, je peux pas dire les villages, donc on va voir. Bah en fait, moi je t'ai déjà vu descendre avec moi tellement il y avait de trucs. Oui,
bah surtout des fringues là, à perte de vue quoi. Ils n'avaient c'est waouh, les gens ils se faisaient plaisir. Les gaffe au panneau. Ah bah je vais filmer ton, ton épaule, une belle épaule. On peut faire le village à droite, mais franchement putain il a loupé le virage. Oups. Là il y a trop jamais trop grand chose. Encore ton épaule hein, parce qu'il y a encore des panneaux. Hein. On va faire là. Le village de mes parents. Ouais. En revenant, on va faire le petit village avant notre village où on travaille. Et puis après, pas loin de chez Barbara. On refait encore un autre village et puis encore un autre village. Ah, ça sera bon. Et puis après, on repart sur un autre village. Couper, hein, parce que ça va être que de la petite route, on n'est pas arrivé. Hein. Il y a 7 bornes, je crois. Ouais, mais tu vois, tout à l'heure, on a coupé, mais on avait un beau truc qui descendait vers les enfers, là. Ouais, bon. C'était magnifique. C'est un coup de chance. Quoi ? C'est un coup de chance. Bref. Allez, je coupe. Je dis de la merde, de toute façon. À tout de suite. Bisous. Bon, en tout, on a fait quoi Un peu plus si tu te prenais le plein de bout de boue. Pas de... J'irai, wesh. Bah on a fait quoi là? On a fait 3 villages. Non, t'as filmé celui d'avant, ouais. 3 villages. Merde, je t'ai fait une peau. Et puis bah que du caca. Hein. Bombé de chocolat. Bah après voilà, on est que le 26-27, faut attendre hein, que les gens y réalisent. Comme tu disais tout à l'heure, et c'est vrai, tout le monde n'a pas les cadeaux. Bah ouais. Parce que c'est souvent là hein, qu'ils font le tri. Hein. Donc ouais, puis il y en a beaucoup qui sont partis, il y en a qui sont dans la famille. Ouais. De toute façon, on a l'habitude, hein, souvent décembre jusqu'à fin janvier, on récupère un tas de merde. Hein. Ah bah. Enfin, pour eux, c'est de la merde. Pour nous, des fois, c'est pas ça du tout. Hein. Bah, des fois, je sais pas moi, rien que des pots de fleurs, des fois, le pot de fleurs, il est un peu cassé. Tu le tournes et. Et le meuble de la vitrine où je mets mes objets. Mon Dieu, ben ouais. Quand tu vois le prix d'une vitrine, combien que ça coûte, tu te dis même d'occasion, hein, c'est pas non plus, c'est pas 2 euros. Ouais, c'est hein. Un billet quoi. Bah ouais. Deux. Et là poubelle. Yep. Je baisse un peu, je te filme un petit peu là. Pour, voilà. Là c'est un village entre guillemets de Bourges. Ouais. Donc là j'en connais 2 spots, on va les faire. Après on va revenir sur nos pas. Ouais. On va finir en... Putain, je sais plus la crevette ou je sais pas quoi maintenant. Ah. Où est-ce que t'as mis tes mains, t'es ? Bah, t'as bien vu, hein ? Dans la moule ? Alors là, normalement, il y en a. Je sais pas bien ce que je dis. Ah, il y a des trucs. Oh, bah, il y a des choses. Oh, il y a des cartons. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait... Qui est sympa en bois, là, déjà, qui peut servir de déco. Avec leurs trucs à la con qu'ils jettent, des fois, bah, tu peux trouver des... Tu t'es dit, je disais tout à l'heure, avec les cartons, on peut faire des... Les gamins, ils s'amusent à faire des trucs. Il y en a qui font des meubles. Ouh, ouh là. Bon. Vous êtes un peu... On ne va pas voir grand-chose, même. Ouais, j'ai la flemme de bouger. J'ai froid mes pieds. Faut que je... Ah, j'ai froid mes petons. Oh ouais, c'est pas mal. J'ai mis une caisse en plastique là pour ranger le petit bois. Ah. J'ai l'impression qu'en code j'ai un feu qui marche quand même. Ah ouais? Ouais. Ah. Ça. Bah ça on connaît hein. Hop. Aïe. Eh chérie. En fait. Eh je peux pas, j'ai pétanque. Bon elle est vide. Hein. Bah, elle est belle. C'est marrant ça. Hop. Par ici la bonne soupe. Ouais j'ai une ampoule qui déconne. Ah bah elle commence à... Allez on va à l'autre. Tiens, tu vois ce que je te disais. On est dans un truc de Bourges, je sais pas si tu vois la caméra. Bah. Attends. Ouais. Regarde. Attends, parce que là, c'est. Lampe Bluetooth où tu peux mettre tes bouteilles de champagne dedans.
Wow. Tu vas pas me dire. Ouais, moi je veux pareil, mais je peux avoir la bouteille avec. Il y a moyen. Tu vois, rien que ça. Ouais, je mets du shampoing dedans. Rien que ça, ça en dit long, quoi. Je suis désolé, mais ça fait bobo, quoi. Une bonne bière, bien fraîche. Oui, bon, enfin. Avant, on mettait ça dans des seaux avec de la glace. Maintenant, on met ça dans des trucs avec des lucioles. À la limite, tu vas chercher un paquet de lucioles en plein hiver, en plein été, là, tu les collectionnes, tu mets ça, tu fais ding ding ding. Tu sais, un peu comme dans les films, ou des petites fées. Je suis sûre qu'en leur poussant le cucu, ça fait des lumières pareilles. Oh. La clope. Ouais. Tu peux rester branché, on est. Ouais, ouais, ben je reste branché, mais je baisse, je regarde ton épaule. Là. On est juste à côté. Ce spot, il est par là, à gauche. Eh, un de ces quatre, tu voudrais pas aller faire la chasse aux fées? Non, par contre, j'avais déjà pensé faire une soirée ovni, hein. Mais il faudrait qu'on trouve un endroit où il y a eu déjà des témoignages, quoi. Une soirée quoi? Ovni. Ah. Alors là, c'est de la merde. Oh putain. Oh putain, oh, là, c'est ça tease, mais alors un truc de malade. Ouais, là, ça a picolé, là. Hein. Eh, tu sais qu'il y a s'il y a des belles bouteilles... Bah, tu sais que j'ai regardé tout à l'heure. Des belles bouteilles, mais tu sais, pour de la déco, quoi. Ouais. Mais là, je coupe les feux, hein, parce que... Ah. Ouais. Non, parce que là, j'ai plein de maisons autour. Bah ouais. Hop. Là, c'est plein de thé. Oh là là. Bon. Ah, j'ai mal à ma main. Zut. C'est la jeunesse. Ben, elle est jeune. Bientôt vous serez vieux. Et les vieux seront encore plus vieux. Etc. 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 C'est un grizzly dans le noir comme ça. On le voit pas là, mais moi je le vois. Je dis à mes enfants, le noir ça peut pas faire peur, puisque le jour t'as la même chose que dans la nuit. C'est pareil, c'est juste que tu vois rien chez toi. Et si tu ouvres un petit peu tes yeux, t'as une légère petite luminescence, comme ce qu'on dit, petite lumière quoi, petite loupiette à droite et à gauche de la ville. Ce qui ferait un peu plus flipper, c'est si un jour toutes les lumières s'éteignent. Genre pendant un an, toutes les lumières s'éteignent. De partout dans le monde. Bah, la planète, elle nous dirait merci. Je suis sûre qu'elle nous dirait des choses aussi, mais pas très gentilles. Je vais pas dire des gros mots quand même. C'est pas bien. Mais j'en pense pas moins. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Je suis comme une abrutie, au lieu de sortir et d'aller plus haut. Oh, qu'est-ce qu'il a trouvé? Ah, une espèce de petit oreiller. Aïe, putain, mon pouce, pardon. Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est? Des petits pots. Qu'est-ce qu'il a trouvé? Du plastique? Ah non, il y a des trucs. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il va trouver des trucs, lui. Oh, yo, 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 yo. Pour qu'il s'acharne comme ça, c'est qu'il a trouvé des trucs. Ah! Mais je filme là, mais je suis con. C'est le supermarché. Quand il s'acharne comme ça aussi longtemps, c'est qu'il y a forcément des trucs qui l'intéressent. Mmh.
sous le poignet, il en prend plein la gueule. Ah. Qu'est-ce qu'il nous a trouvé? Vas-y. Une petite mallette en plastique, un coussin, une cassette auto-nettoyante pour mon truc de où j'enregistre mes PVE parce qu'il commence à déconner. Oh. Je t'expliquerai après. Il reste un peu de scotch. Oh, du scotch, je croyais que c'était des petits. Un casque. Oh. Là, je sais pas, c'est un truc pour vous, ça les dames, non? C'est une vanity, là? Oh ouais, j'ai des petites vanity. Oh là là. Hop, puis du carton. Non, mais sans déconner. Quand je te l'ai dit que c'était un village de boubou. N'importe quoi. Franchement, et tu sais que ça me rappelle celle que ma grand-mère elle avait, et puis je l'ai toujours, hein, mais j'ai donné à ma fille. C'est quoi, chérie? Ah, je t'en fais cadeau. Il est tout neuf des poubelles. Oh, c'est je te remercie. Franchement, je suis touchée. Ça me fait plaisir. Je vais bien m'en occuper, t'inquiète pas. Je vais déjà bien le désinfecter. Parce que je sais pas qui a été mettre ses pantes au-dessus. Mon enregistreur, une cassette là. Mmh. Bah, il fonctionnait bien. Mmh. Je l'essaye tout à l'heure. Quand je vais écouter, faut que je le réessaye à la maison. Quand je vais écouter, au début, j'entends bien. Et après, c'est comme si tout s'était étouffé. Alors, je sais pas si c'est mon enregistreur qui déconne, parce que tu sais, le volume, il a toujours été un peu capricieux. Mmh. Ou alors, peut-être besoin d'une cassette auto-nettoyante. Ah bah, dis, t'as pas trouvé de bonnes bouteilles? Non, elles sont toutes vides en plus, les foirées, quoi. Franchement, hein. Oh, je suis déçu, là. Mais je vais leur mettre un panneau. Par mais contre, s'il c'est vous que plaît, des emballages de... Bah, du gueuleton qui se sont goinfrés à Noël, quoi. Ah bah, ça... C'est que ça. Tu vas me dire, c'est un petit peu la place de ces trucs-là. Hein. Ouais, mais quand tu achètes un produit, souvent, bah, tu as 20% d'emballage et de marque. Ah bah oui, au moins. Bon, bah, on va aller dans le village où on bosse maintenant, et puis bah, après, on va rentrer. Hein. Enfin, ouais. Ça vous tient un vanity? Ça peut aller, ça dépend les marques, mais hop hop, ton épaule. Ça peut. Ça peut monter, ouais. Ça peut monter. Je sais pas. Faut vérifier. Il y en a deux là en plus. Ouais, j'en ai jamais acheté à proprement dit. Je te dis, moi j'ai eu celui de ma grand-mère. Qu'elle avait acheté il y a déjà longtemps. Je crois que c'était pour mon grand-père d'ailleurs qu'elle l'avait acheté. Parce que comme il y avait des soins, donc il avait beaucoup de choses à mettre. Et comme il prenait le train, ben, il mettait les affaires dedans, c'était plus facile. Comme il pouvait se fermer avec une petite clé, que j'ai toujours d'ailleurs. Donc du coup, après, par la suite, ben, je l'ai récupéré et je mettais les affaires des enfants, des petits. J'ai dû faire mon sauvage parce que c'était dans un sac transparent fermé. J'ai vu que tu t'étais acharné. Plus j'en sortais, plus j'en trouvais. Quoi. Ouais, j'ai vu. Bah, désolé, je filme, mais en même temps, je regarde la route parce que bah, je me dis si jamais il y a une bestiole. Il y a un superbe cerf là avec des beaux bois et tout. T'as peur que je fasse mon anglais surtout. Hein, ouais. Non, la preuve. La preuve. Vas-y, roule. Ah bah non, je peux pas. Je suis obligé de te montrer comme ça. Ah, attends. Gendarmerie nationale, bonjour. Oh non, mais sans déconner. Là, il revient du, hein. Il revient du normal. Hein. Mais je vous dis, hein, il roule comme un igliche. Mais sans déconner. T'as de la chance parce que, franchement, t'as vraiment un bon monstre à chaque fois. Parce que. Bah parce qu'imagine, il y a une voiture en face quand tu fais ça. Non, t'inquiète pas. Que t'as des gens. En pleine nuit, ça se voit quand même quand il y a une voiture. Ah ouais. T'as jamais venu dans le Nord ou quoi? Nous, chez nous, on économise les phares. On roule sans lumière. Ouais, il y en a, ça arrive. J'ai déjà croisé. Hein. Fais pas gaffe parce que là, en bas, c'est le spot de grande surface. Je montre ton épaule parce qu'il y a des panneaux
Ah, ma voix, elle est quasiment revenue normale. Presque. Pas encore retrouvée, hein. J'ai pas... Elle est où, ma... Ma sacoche avec le... mon fric, là... Hein? Elle est là. C'est ton fric. Ouais, ouais, il y avait ma... Le liquide dedans. Avec tes liasses de bifton de 500, c'est ça? Oh, j'ai pas un gros pec. Ah, c'est tes billets de banque de Monopoly? Ouais. Ah. Je suis pauvre. Bordel. Je suis sûr que tu dis que 30% de la vérité. C'est vrai. Attends, bah non, parce que je suis concentré à... Bah tu peux pas t'arrêter 30 secondes? Bah non, il y a plein de monde, tu vois bien, ça arrête pas là. Allez, je filme un peu la route. C'est pas trop prudent ce que je fais. Bah non. Hop. Fais gaffe, il y a pas de... Ouais, bah je sais. Je l'ai mis de côté. Oh, ah, putain. Ça, c'était un trou. On appelle ça plutôt un nid de poule. Un petit nid de poule. J'espère que j'ai pas niqué mon pneu. J'espère aussi. J'espère qu'il va pas faire une fleur. Quand il aurait fait une fleur, mon envie, t'aurais eu du mal. Moi, ça m'est arrivé. Hein. Parce que là, du coup, le bénéfice de la sortie, pas terrible. Hein. Mm-hmm. Non, c'est du costaud. Surtout que... Je crois que c'est celui de droite, j'ai déjà regonflé plusieurs fois, je me demande s'il est pas un peu... Enfin bref, on verra demain matin. Ouais, mais je coupe. Oh putain, il est encore plus cher. Là. Je coupe. Ouais, vas-y, coupe. C'est un Herman, ça. Ah oui. C'est sûr. C'est au moins 30 balles, avec la petite bûchette qui va avec, là, en plus. Ça, c'est pareil, c'est au moins 8 euros. C'est déjà rendu à la bête, quoi. Là, faut aller assis, juste pour récupérer le bois pour brûler, quoi. Bon bah là on se fait le dernier spot là. Et puis bah après on va rentrer à la maison. Et puis bah de toute façon t'as bien montré tout à l'heure les fruits et tout ça machin. Bah, j'ai fait de mon mieux hein, mais. Oui, pas besoin de refaire des plans. De toute façon, c'est des fruits qui sont ils sont un peu abîmés, sont un peu passés. Il y a des trucs qui vont aller pour les bêtes parce que bah on a quand même des lopins, un cochon d'Inde. Ça, donc bah, ils aiment bien hein. Une tortue aussi. Bah, ils aiment bien les petits fruits, les petits légumes. On se régalait pour le mettre plein dans le ventre. Bah, après, je te dis ce qui me fait chier, j'aurais bien retourné, mais tout est dans le fond. C'est là, on a eu pour moi, on a eu les restes, les trucs que personne ne veut quoi. Moi, tant que c'est de la bouffe, c'est pas difficile. Bah, c'est surtout que, comme je le disais, je vais répéter, on a des animaux aussi. Donc, quand tu vois. Tu as vu des trucs au thon là? Moi, j'ai pas fait gaffe, je l'ai récupéré. Mais bah, je crois qu'il y avait un truc avec du thon dedans. Ouais. Oui, puis on va rester au chat. Et puis... Oui, il va être content comme tout, tu vas voir. On saute sur la gueule encore. Bah, il faut encore les engraisser, hein. Oui, il est tout petit. Il n'est pas assez gros, pas assez dodu. Ah non, il fait 4 kilos, je... Arrête, il ne fait pas 4 kilos. T'es méchant. Il est gros, il est gras, mais il ne fait pas 4 kilos. Il est gros, il est gras, il sourd. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai, t'es un menteux. Non. T'es un menteux. Il est sourd, le chat. Non, il est pas... Non. C'est pas grave, on l'aime quand même. Mais non, il est pas sourd, il a juste des bouchons dans les oreilles. Ouais, il est sourd. Non, il y a des bouchons dans les oreilles. Il y a de la cire dans les oreilles, c'est tout. C'est ses poils. Les poils, ils vont dans ses oreilles, donc forcément, bah, il n'entend pas. Pauvre petit père. Bah ouais. Et le brouillard? Ouais, attends, je vais essayer de le filmer. Je sais pas si on voit. Dégueulasse. Ah, bon, pas. Ah, moi, là. Ah, il y a un plan d'eau par là, tiens, pas encore. Hein. Ah. Il est plus haut celui-là. Bon, bah en attendant, parce que là, je sais pas si on vous reprendra au dernier spot hein, quand même s'il n'y a rien. Pour dire au revoir. Hein. Pour dire au revoir, mais. Hop, je filme là. Bon, on a fait quoi, allez, je dirais. Bon, on n'a pas fait 100 bornes, non.
a fait 60 km. Ouais. Voire max. 60 km, on a dû cramer allez, 5-6 litres d'essence. Ça fait 12 balles. 12 balles, j'ai des cartons pour mon jardin, on a des yaourts, des légumes, des fruits, de vanity, un casque à tester. Qu'est-ce qu'on a encore qu'est-ce qu'on a récupéré? Bah, la petite boîte en bois là, j'aime bien là, je peux pas, j'ai pétanque, ça m'éclate. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, des petites caisses qui peuvent. Nous, on sert beaucoup des petites caisses pour les légumes et tout ça. Les légumes, et je disais pour le bois aussi. Ouais, mais il y en a une là, c'est en plastique. La petite, oui. La petite dernière. Oui. Ah oui, pour stocker le bois, oui, les petites brindilles de vigne et tout ça. Ouais, les petits trucs, ouais, comme on doit faire la. Truc à faire là pour faire du petit bois. Ouais. Non, on a récupéré là, je pense que notre sortie elle est amortie. Ouais, parce que nous on est des adeptes d'achat de petits filets de bois parce que on a la flemme en fait d'aller chercher du bois. N'importe quoi. Alors ça fait voilà quoi. On adore acheter des petits sachets. Là, ça fait quand même trois soirs qu'on chauffe le cul avec du bois de récup de mon nouveau local, du bois de nos propres arbres et des petites brindilles aussi, de petits bois de notre propre, on va dire, terrain. Quoi. De notre cuvée. Ouais, en trois jours, c'est pas un hiver complet, mais c'est trois jours de gagné. Quoi. Bah ouais. Mais il y en a pendant ce temps-là, ils jettent du bois. Ouais. Bah la preuve, hein, j'ai encore récupéré une chaise en bois. Et le pire, c'est que les trois quarts du temps, bah, ils ont une cheminée. Mais le truc, c'est qu'ils pensent pas à le mettre dans le feu. Ouais. Alors que quand ça finit dans les poubelles ou quoi, bah c'est fait quoi, à votre avis? Bah c'est cramé. Il y en a qui ont peur aussi parce que ils osent pas mettre n'importe quel bois dans leur cheminée. Ouais. Hop, moi perso. J'ai toujours mis un peu du je m'en bats les couilles en bois. Oh. Et du je m'en bats les couilles, j'ai jamais eu de problème. Hein. Donc ça crame moins bien que le chêne ou le châtaignier, je m'en bats les couilles. Hein. Non. Mais ça le fait quoi. Bien. Flûte. C'est une essence d'arbre. Spéciale. Ouais. Mmh. Ouais, j'aime bien. Mmh, mmh. Ouais. Et je trouve que quand c'est comme ça, gratuit, là, il chauffe encore plus. Ouais. C'est par là. Sauf que quand c'est. Ah ! Quand c'est. Aïe ! Je mettrai un coup de frein à main la prochaine fois. Hein ? Je mettrai un coup de frein à main. Oui, bah oui. Tu vas voir, mais je vais prendre le volant, je vais te montrer comment moi je vais freiner, moi. Tu vas voir. Comment je faisais avant pour me garer. Oups ! Coup de frein à main, là. Bah, je t'inquiète, fais des économies. Sur le point, c'est ils ont un problème ceux qui font les routes hein. Je suis désolé hein. Et des fois vous êtes pas trop voilà. Alors moi quand je passe avec mon Hummer les trois quarts du temps ça va pas hein. Qu'est-ce qu'il y a au dernier spot? Hop, je sais pas, il y a rien. Comme d'hab. Oui, c'est vrai qu'ici c'est rare. Bon, tu fais bisous avant de filmer le. Bon, bah merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Allez, topette!